Bonjour, c'est Marc Doucet. Je vous présente l'info du jour depuis notre bureau Heat Globe à Varna. Le guarana est une plante connue surtout pour ses graines qui contiennent deux fois plus de caféine que le café. C'est un fruit qui provient du bassin amazonien et il est principalement produit et utilisé au Brésil comme édulcorant dans les boissons gazeuses. Une étude récente montre que le guarana est au moins aussi riche en antioxydants que le thé vert. Les antioxydants sont les molécules qui empêchent les réactions en chaîne de détruire les cellules. C'est la raison pour laquelle les aliments riches en antioxydants sont si recherchés. Des chercheurs ont réalisé une étude clinique pour démontrer que le guarana contient des antioxydants. Pendant deux semaines, ils ont fait boire aux participants une boisson composée de 3 g de poudre de guarana diluée dans 300 ml d'eau tous les matins avant le petit déjeuner. Au début et à la fin de la période, les chercheurs ont évalué différents paramètres sanguins connus pour être des marqueurs de stress oxydatif. L'effet de la boisson a été mesuré une heure après la prise en analysant les échantillons de sang pris sur les participants. Un des marqueurs évalués est les lipoprotéines de basse densité, plus connues comme le mauvais cholestérol à l'origine de maladies cardiovasculaires. Les analyses de sang ont montré un niveau plus faible de mauvais cholestérol après la consommation de guarana, ce qui indique la présence de substances antioxydantes dans le système sanguin. Les chercheurs pensent que le guarana contient autant ou même plus d'antioxydants que le thé vert, le cacao ou le chocolat. L'avantage de ces produits, c'est qu'ils sont également consommés pour leur goût, alors que le guarana est consommé sous forme de poudre ou d'extrait, et il est donc voué à rester un complément alimentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site heatglobe.fr. À bientôt.